Et au dernier moment, il sautait sur son bateau. Poum, 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 poum. Et il volait le trésor. Il faisait comme ça. Ah ben on sait jamais. Avant, c'est les gens, ils faisaient. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. Donc ils voyageaient tout le temps en bateau. Et ils ramenaient des trésors, des fois, avec eux. Des fois, ils ramènent même de l'or, des diamants. Parce que c'est un bateau qui est très lourd. Donc il faut. C'est ce qui gîte le bateau. Et tu vois, donc il est très lourd le bateau. Ils ont besoin de deux phoques pour avancer. Pour avoir plus de. Il a un nez avec un bout de bois qui sort là. On appelle ça un bout dehors. Un bout. Parce qu'il est dehors. Un bout de bois dehors. Tu vois. Il est tout près de nous aujourd'hui. Il faut être gentil hein. Avec lui. Hein. Il faut être gentil, il faut lui faire coucou. Hein. Fais coucou, non? Ah bah on sait jamais. Oh mais ça c'est Eric avec son bateau là. Ah oui. C'est qui? Eric Toussaint. Avec son bateau bleu. Voilà. Et quand on va faire tout ça? Ah bah attends, on monte un tout petit peu. On monte pour avoir assez de distance et comme ça on fait un rang bord, un long bord. Il n'y a personne qui nous dérange? Non, il n'y a personne. Ah, le vent passe, il a tourné là un peu. Parce qu'on est parti du terrain, le vent il venait comme ça, et puis au fur et à mesure. Le vent change. Ouais. Ouais, maintenant, ouais. Parce qu'ici on est au large, mais pas le même vent que la terre, c'est nous. Ah là, on marche bien. Mmh. Bah, le vent ici est plus régulier. Il n'a pas de phoque bleu. Mmh. Il est tout blanc. Les deux. T'as froid? Non. Ah non, c'est pas froid. Hein. Ah, c'est pour la question ouais. Quand même. Ah ouais, mais après, dans 5 minutes, on va être vent arrière, tu vas voir. Dans ce cas-là, tu... Maquina, le vent, le visage direct. Tu viens entre papa et maman, alors? Non, allez, on va virer de bord.